Salut les amis, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Get Up Action, épisode numéro 9, let's play, l'épisode numéro je sais plus combien. Mais aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo sur Get Up Action, sur la faction Tyra. Notre farm numéro 1, comme j'ai toujours dit les amis, la V1 de notre farm, parce qu'on a plusieurs farms. Donc aujourd'hui on s'est fait piller les amis par Spikos. En fait c'est pas vraiment piller, c'est plutôt trahir, parce que Spikos, souvenez-vous, il était dans notre home les amis. Il a TP de l'Arena Slayer ici, l'Arena Slayer a juste décalé, c'est le home. L'a dégagé, l'a rendu vraiment dégueulasse, mais bon. Gros GG à eux s'ils écoutent cette vidéo là, je vais utiliser un segment de leur vidéo à la fin, enfin un petit segment de vidéo, ils avaient l'air vraiment contents de nous piller. Et puis ben je veux les féliciter parce que ben c'est pas tous les jours qu'on réussit à piller la base d'un beau gosse comme moi. Donc voilà, j'avais passé énormément de temps les amis dans la base, je trouve ça vraiment fils de pute de la part de Spikus. Mais bon, on devait s'y attendre, on avait déjà préparé d'autres bases, une autre base que je vais vous présenter directement dans l'épisode qui suit. Donc pas celui-ci, mais le prochain, je vais vous présenter la nouvelle base, etc. Aujourd'hui, je vais juste expliquer pourquoi on s'est fait raid, etc. Donc, c'était une après-midi, en fait, Spikus, il voulait quitter la faction parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, aucune idée pourquoi. Moi, je l'ai kické de la faction et je l'ai tué pour en blague ou en rigolant. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est que... il est revenu et je l'ai retué, mais il s'est lagué. Donc moi je lui ai donné un coup pour le mettre en feu et je lui ai lancé une heal en fait. Comme ça par exemple. Mais lui, lui il a ragé parce qu'il est mort à cause que ça l'a tué, etc. Mais à la base c'était juste du troll. Parce que moi je m'en foutais, tu sais. Je lui avais juste demandé de supprimer son home. Il n'a pas voulu supprimer son home. Après que j'ai tué, il a TP tout le monde. Et puis ben voilà quoi, c'est parti en couille. Mais je m'en fous un peu parce que comme je l'ai dit, on a déjà d'autres bases, donc c'est juste une de nos farms, enfin c'est pas tellement grave, c'est juste plus les membres de la faction qui sont un peu fâchés. Donc en gros, RS Spikus a maintenant rejoint leur faction, il nous a trahi et tout. Il y a mon ami aussi Pinkiwi, si vous souvenez de Pinkiwi, il y a aussi Banana Fruit, un fanboy quoi. Fanboy. En gros ouais, j'ai parlé avec Aluminium je crois, Aluminium ou quelque chose comme ça, c'est il y a un A dedans son pseudo. Lui ici, vraiment un gars sympathique, le seul, comme il pensait qu'on était gif sur le serveur et tout, je lui ai prouvé des preuves que j'avais acheté mes propres spawners moi-même et tout. Et puis on a réussi à calmer les hostilités parce que ça s'envoyait vraiment des insultes dans le chat après le raid. Enfin pas de ma part, plutôt de la part des membres de ma faction et tout, etc. Leur faction aussi était vraiment... T'es vraiment content de nous avoir pillé, et puis je comprends, tu sais, je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on pille une faction de beaux gosses, quoi, comme j'ai dit juste avant, mais bon voilà quoi. En gros, c'est terminé, ils nous ont pillé, et puis... On a d'autres factions, je vais vous en parler comme j'ai dit dans le prochain épisode. Mais bon, je vais quand même vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, que Spikus nous avait trahi. Je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube dans la description parce qu'il avait fait une vidéo de présentation de la Tyra. So vous allez pouvoir voir un peu de quoi ça avait l'air. Mais moi, j'ai pas eu le temps de filmer, dans le fond, la présentation. Lui, il a réussi. Donc voilà, en gros, allez voir sa chaîne. Vous pouvez, je vous dis pas, demande pas de dislike ou quoi que ce soit, mais bon, je veux dire, juste pour que vous puissiez aller voir sa vidéo dans le fond de la base, si vous avez envie de voir la base à quoi elle ressemblait. Si vous en foutez, allez juste pas sur sa chaîne et puis voilà. Mais voilà. Autre truc, ben je vais continuer à faire péter ma propre base les amis parce que ben c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui ai le droit de la détruire quoi, même si ils ont pu détruire eux aussi. Mais voilà, je voulais vous dire que c'est pas terminé qu'il est d'action, c'est pas parce qu'on s'est fait piller. Beaucoup de gens disaient ouais ils vont racheter les serveurs, ils se font give, là, ils vont plus se faire give, blablabla, bref, tout plein de trucs comme ça. Ben non les amis, on va continuer à être là, on va revenir en force, on est la faction la plus puissante du serveur. On a des alliés de malade, on est allé avec la faction des Oda, Magicat, etc. Et inquiétez-vous pas les amis, on va continuer à vous emmerder tout au long. Et les joueurs qui jouent sur Get Up Action, c'est pas parce que je commence aussi d'autres let's play que je vais arrêter nécessairement de jouer sur Get Up Action. C'est juste pour m'amuser. Désolé pour le bruit derrière, je suis dans une maison avec ma famille, donc voilà. Ils ont pas touché au champ par exemple, ça c'est quand même assez impressionnant. Ils ont pas touché au champ, on pourrait réutiliser les champs, mais bon, voilà, c'est pas tellement intéressant d'utiliser un champ hein, dans une base cassée. Mais bon voilà, dédicace à eux les amis, au moins vous savez un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Puis si ben on vous dit, ouais écoute, j'ai quitté l'arachide, vous allez pouvoir retrouver, normalement dans les rediffusions de mon live. J'étais vraiment pas fâché, j'étais en train de présenter la base pendant que ça s'est passé. J'étais en train de faire justement la base tour, mais bon il était trop tard, le fichier est corrompu, donc je pourrais pas vous le montrer, mais en gros ouais. J'étais pas en train de rager quoi que ce soit, j'ai pas ragé d'un coup. Dans le prochain épisode vous allez voir pourquoi j'ai pas ragé, on a vraiment une énorme base, une base énorme. Encore mieux que celle-ci. Et puis voilà. Le seul truc qui me dérange, c'est en fond, c'est le temps passé sur la base, quoi. Parce que comme vous allez pouvoir ici, on avait commencé un sale truc par là-bas. Sale truc ici. On avait aussi un spawner à vache ici. Il y a encore un spawner à vache. Il y a encore un spawner à golem là-bas. On était vraiment, vraiment bien parti.
N'est-ce pas? On va se refaire les amis, on est en train déjà de repréparer un nouvel endroit avec des nouveaux trucs. Donc voilà, inquiétez-vous pas pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est pas mal tout. J'espère que le let's play sur GTA Faction vous fait plaisir. Si c'est le cas les amis, laissez un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour la présentation de la Tyra V2. Dès demain les amis, je vous aime, c'est Tyra Conde. Passez une excellente fin de journée.